Bonjour à tous, c'est Mala, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Summon, c'est lundi, c'est Summon Day, aujourd'hui en direct des States. Alors attention, c'est parti. On se retrouve avec Matt. Matt, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Aïe aïe aïe, moi ça va un petit peu mieux que toi, ça fait un petit peu plus longtemps que je suis levé les amis, il est 6h du matin pour Matt, ça fait très très tôt quand même pour enregistrer une vidéo. Ça va, pas trop fatigué? Ça peut le dire, un petit peu, mais ça va le faire, on a du café à côté. Ça a été très compliqué d'organiser cette summon, effectivement, Matt habite aux États-Unis, 6 heures de décalage horaire, plus des horaires pas faciles, moins un emploi du temps un peu compliqué aussi, mais ça y est, on a réussi, on a enfin trouvé un créneau pour faire cette summon. J'espère que ça paiera, en tout cas. Voilà, que t'es pas fait l'effort de te lever à 6 heures du matin pour rien. Oh, un petit wish, hop, bah oui, forcément, tu t'es pas connecté au jeu, évidemment, encore aujourd'hui. Bien sûr. Et même déjà hier, non? Parce que tu me disais que c'était une journée compliquée hier. Ouais, grosse journée en ce moment. C'est le moment de la fête des mères aux États-Unis, donc. Ouais, ça c'est marrant parce que chez nous aussi c'est la fête des mères, mais c'est pas la même date en France. Ah, c'est la même chose en Suisse, ok, je savais pas. Ouais. Et moi souvent, tu vois, quand c'est la fête des mères en Suisse, j'appelle ma mère et elle me dit, mais c'est pas la bonne date. Ah bon, d'accord. Alors bon, du coup, maintenant, j'ai arrêté de l'appeler, quoi. Voilà, comme ça, c'est bon. Mais ouais, donc nous, par contre, on est à la même date avec les États-Unis. Bon, voilà, les meilleurs, écoutez, bah, voilà, les States, la Suisse, bon, voilà. Voilà, tu vois. C'est tout, c'est nous qui avons raison. Alors, Mokaiou, qu'est-ce que c'est que ce pseudo Mokaiou? Qu'est-ce que c'est que ça? Il fallait que je trouve un pseudo, et à ce moment-là, alors moi, je bosse dans la restauration et dans le vin. D'accord. Et je buvais à ce moment-là un château Mokaiou. D'accord, et ben voilà, très bon. Et c'est sympa le château Mokaiou? Ouais, c'est très bien, très très bien. Ça sonne un truc comme un peu du sud de la France, ça, non? T'es à Bordeaux, là. À Bordeaux, très bien, ok, je vois. Ok, à Bordeaux, parfait. Château Mokaiou, très bien, 110 jours de jeu, c'est un bébé compte ça. Ah oui, d'accord. Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce compte? J'ai rouvert un compte à un moment où t'as sorti une vidéo Summon Day, début janvier, je crois. D'accord, ah oui, donc il n'y a pas longtemps alors. Bah oui, 110 jours, ouais. Ça fait 3 mois quoi. Ouais, ok. Très bien. Et je me souviens que la vidéo, au tout début, il te demandait d'aller... voir les monstres et tout, je suis pas obligé de te demander la même chose, mais en gros, j'ai pas du tout invoqué sur ce compte. D'accord, tu as refait cette... Et tu sais qu'il y a plein de joueurs qui adorent faire ça. Ils ben recommencent voilà. Un nouveau compte, et en particulier, tu vois, au moment des events anniversaires ou des grosses collabs, parce que bah, ils savent qu'il va y avoir plein de rewards, plein de vélins, et après, ils invoquent rien. Il m'envoie un petit message, « Eh Mala, viens, on se fait une summon, j'ai tout gardé depuis le début. » Alors là, t'as tout gardé depuis le début, t'as rien invoqué. Que des vélins inconnus. Tout ce qu'on voit là, tu l'as récupéré autrement. Il y a de la fusion, il y a du HOH, il y a des choses comme ça, mais tu n'as rien invoqué excepté les vélins inconnus. Incroyable. Il n'y a pas de HOH non plus, il n'y a aucun 4 étoiles. C'est que des vélins inconnus, que des 3 étoiles et des étoiles. Bah, je vois quand même du Verdet, je vois de l'Amélia. Bah, la Verdet, c'est fusion. C'est fusion, Amélia, voilà, donc il y a quand même des fusions. Ouais. Ok. D'accord. Oui, donc que des fusions, et puis des 3 étoiles double wake, tout ça. Excellent cette expérience. Bah oui, bien sûr. Ça a rendu le jeu très intéressant, drôle. En tout cas. Mais bah ouais, j'imagine. On va aller jeter un œil à ta box, du coup, parce que ça va être très très drôle, j'imagine. Alors, bah voilà, hein, Lapis, Ezio, Veromos, on est sur du petite box classique, hein, des 5 stars qu'on nous donne. Hop. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette box? Ah, il n'y a plus de place. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette place? Non, t'inquiète, on n'en aura pas besoin. Ça va partir direct dans le stockage. T'inquiète, ouais. Bah, en fait, il n'y a rien d'autre, quoi. Si, il y a Riley, t'as fait Riley. Bien joué, ça. Riley, ouais. Et puis Balègre. Verdemelia pour la Tricaru, la Beliasat. Un petit Lucien, tiens. Ça, c'est l'event... Tu l'as pris dans l'event des débutants, ça, non? C'est ça. Ok. Ah, oh, t'as eu Tiron aussi? Comment ça? Ah, bah oui, bah, y a eu l'event Katnat. Dès 9 ans. Exactement. Et donc, du coup, bien joué, ça. Oh, il est smart, celui-ci. Bien joué. Très, très bien.
Zion fait. Bon, t'as fait les fusions en tout cas. Hein. Oh, ça ouais, va ouais. être compliqué de faire les fusions sans. Des fois, il fallait un peu compter sur la chance. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, belle expérience en tout cas. Plus de 3 mois que tu joues et tu n'as jamais rien invoqué. Juste les fusions des 2 étoiles, des 3 étoiles double wake et les events 4 étoiles qui t'ont permis d'avoir Tyron et Lucen. GG, c'est bravo, ça. Bravo. Et ouais. Alors du coup, par contre, qu'est-ce que tu as réussi du coup à nous mettre de côté ? 3 mois, rien invoqué, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à 135 vélins des 9 ans, 12 vélins Assassin's Creed. Waouh, ah ouais quand même. Un vélin Transcendance. Il y a peut-être eu un ou deux packs. Oui, c'est ça, c'est ça. Hein. Attention, il n'y a pas que ce que nous a donné le jeu là. Hein. On voit là. Un vélin Transcendance, 2 vélins Transcendance, un tout attribut, 27 légendaires. Ça en fait combien ça ? 15. 63 vélins Dark and Light. Il y a 150 vélins, plus même 170 vélins élémentaires et 1440 vélins mystiques. Ça nous fait quoi ? Ça nous fait 1600, un petit peu plus de 1600 vélins mystiques. Ok, 1600, on part sur 8 nat 5. 8, on se dit 9 là, 10, 11. Ouais, je pense qu'on peut viser les 12. 12 nat 5 pour cette summon. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est important, le nombre de nat 5 ? Je ne sais pas, on verra. Il n'y a pas de béné, il n'y a pas de nat 5 sur ton compte, jamais rien invoqué. Ça risque d'être très 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 intéressant. Bah, je ne vais pas te mentir, vu que j'ai jamais rien invoqué, je suis aussi excité à l'idée d'avoir des 4 nats bien. Hein, exactement. Chloé et tout, Mais c'est clair, et je peux tout à fait comprendre qu'effectivement, les 4 nats vont être aussi hyper importants dans cette summon. Presque même plus que les nat 5. Bah écoute, on est... parti, let's go. Hop, première fois que ça invoque sur ton compte, incroyable. Ça va me débloquer les... Tu m'étonnes, ça va être... Oh ah, le jeu, tu vas plus le reconnaître après, je pense. Parce que jusque-là, tu jouais... Enfin, finalement, est-ce que c'était si dur que ça ? Je pense pas. Non, c'était pas si dur que ça. Mais non, je pense pas. Le jeu, il est vraiment très bien fait. Hein. Ils ont vraiment fait en sorte que le early game... ne nécessite pas de nat 5. Et c'est ça c'est une super bonne idée, vraiment, de faire en sorte que le early game soit finalement très accessible, très facile, et on n'a pas besoin de nat 5, quoi. Tiens, du Verde Hill, incroyable. Okay. Je me souviens de l'early game il y a quelques années, c'était beaucoup plus dur que ça, quoi. Et c'est clair, c'était... Même en invoquant. Ah oui, c'était clairement pas la même chose. Là, à cette époque, t'avais un nat 5, tu disais que oui, ça pouvait te carry, quoi. Aujourd'hui, mais non, pas besoin, aucun nat 5. Tu te peux complètement maîtriser le early game sans aucun nat 5, juste avec ce que le jeu te donne, tu n'auras aucune difficulté. Bon, n'empêche que, petit bémol, t'as pas fini la TO à hard quand même. Ouais, je me suis bloqué contre les Akroma sur cette rotation. Ah, Akroma Zeros, ça a bloqué. D'accord, je vois. Je vois. Effectivement, il y a... Bref. Je sais pas s'il y a vraiment de solution à Chroma Zeros sans invoquer. C'est surtout ça. Je sais pas. Ou alors, il aurait fallu... je sais pas comment... Il aurait fallu que j'ai un garrot à la place de prendre Lucien, quoi. Ouais, mais... Ou alors... c'est pareil. C'est pas des solutions que tu peux obtenir comme ça. Parce que Camulès, ça peut le faire. Tu vois, il suffisait d'avoir, entre guillemets, un tank d'arc. Mais mettre ton Véromos pour qu'il tanque les Akroma. Et puis, là, du coup, ça devient difficile parce qu'il faut qu'il soit suffisamment tanky, il faut que tu aies du heal derrière. Quoique, hein, en vrai, Véromos Riley, je pense que probablement ça devait passer. Ouais, c'était investir beaucoup pour un étage Théora, je me suis dit, ouais. Bon, allez, je le passerai de toute façon plus tard. Et... Oui, bah, c'est clair, tu vas voir, on va invoquer un garrot et hop, voilà, ça va passer tout seul. Bon, très bien. Eh bah, écoute, je suis très content d'avoir réussi finalement d'avoir... à ce qu'on se fasse cette semaine, hein, depuis le temps qu'on essayait de se trouver un créneau. Ça y est, enfin, on a réussi. Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis ? Raconte-nous un peu, quand même. Je gère un restaurant, un petit restaurant wine bar à Boston. Aïe, aïe, aïe. Bah ça fait plaisir, parce que j'adore les États-Unis. C'est un pays que je trouve fascinant, vraiment capable du meilleur comme du pire.
avec Sûr. des endroits aussi incroyables. Enfin, j'adore les États-Unis, mais il y a quand même un truc vraiment aux États-Unis. Oh, kaki, ça c'est bon, ça fait plaisir, Mal, ça. ça. Il y a quand même un truc aux États-Unis qui est vraiment, par contre, assez unanime. Hein. C'est genre, c'est partout. Hein. C'est qu'on mange très très mal. Hein. C'est catastrophique. Hein. Oh, Ouais, moi je ah serais très gras là là. surtout. C'est très 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 difficile. Ça demande beaucoup plus d'efforts que ailleurs de réussir à trouver des endroits où on mange bien. Ça demande vraiment. Faut vraiment chercher. C'est très très dur. Il y a plein d'autres pays, je veux dire. Il y a vraiment. Hein, il y a plein d'autres pays où. Partout, même si c'est pas un pays qui a une énorme culture culinaire, tu vas trouver des petits trucs, des machins. Ouais, ok, ça fait de la bonne petite cuisine maison ou quoi, tranquille, ça passe. Mais aux États-Unis, c'est vachement dur, hein, je trouve. Hein. C'est soit des grandes chaînes, soit tu trouves pas quoi. Même dans les petits restos, je trouvais que c'était en moyenne, ouais, assez compliqué quoi. Mais bon, bah voilà, Ouais, au puis moins on sait que, ouais, c'est toujours super gras, quoi. mais c'est ça quoi. Au moins on sait, voilà, à Boston, il y a un petit resto français. N'hésitez Excellent! pas, c'est de passage. Excellent! Et premier Nat 5 sur ton compte! Et Eh c'est ben, nickel. Vanessa! Ça commence pas mal en vrai! Et C'est parfait. un petit lit de 33 là, premier Nat 5 sur ton compte, jamais invoqué, et ben la voilà! Elle est là, Valkyrie Feu! C'est toujours particulier, tu vois, le premier Nat 5, et voilà. Bah, Vanessa. nickel. Sympa en vrai. J'aime bien Ouais, c'est très Vanessa. bien. Les skins des Valkyries, il est très joli. Alors j'aime bien. Premier Nat 5 de cette semaine. Premier Nat 5 carrément invoqué sur ton compte. Et ça, c'est beau. Hop. Faut qu'on ait des trucs genre Galion, Chazune, des choses comme ça là. Quoique Chazune, est-ce qu'on en a encore besoin aujourd'hui en vrai? Bah, je sais pas trop. Mais en tout cas, je me souviens que c'était bien à l'époque, donc À l'époque, oui, ça doit c'était être bien, encore mais bien. Galion, vraiment, je pense que Galion, ça peut faire la différence. Et il n'y a pas vraiment d'autre moyen de l'obtenir que de l'invoquer encore aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment un des derniers. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être sympas, mais pour plutôt plus PVP, tu vois. Genre des Orions, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est cool qu'on ait chopé Kaki, parce qu'en plus, il y a le HOH qui va te permettre de le skill up. Oh, petite jumelle là, parfait ça. Ça c'est parfait, les jumelles aussi. Hein. Les jumelles, c'est très sympa à invoquer aussi. Un. Très bien. Très bien, très bien. Bon bah super. Bon alors du coup, ça fait longtemps que t'es aux États-Unis? Ça fait 4 ans. Ok. Ah ouais, comme ça. Allez hop, t'es parti. C'est quoi? T'as eu une opportunité d'y aller ou tu t'es dit, allez, je vais aux États-Unis et genre je fais ma vie là-bas, quoi? J'étais parti en vacances à Boston à un moment parce que j'ai des amis là-bas. Ok. Et puis je suis passé dans ce resto français et puis le contact est bien passé. Et puis ils allaient ouvrir un wine bar et puis bah, moi à ce moment-là j'étais dispo. Excellent. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Excellent. L'occasion, Au quoi. Le ouais, coïncidence. bon endroit, au bon moment. Excellent. Il y a un mec, j'ai Et puis entendu, bah il y a voilà, un mec en c'est. France, il a dit qu'il suffisait de traverser la route pour trouver du boulot. Toi, t'as traversé l'Atlantique, en fait. J'ai entendu ça aussi. Tu t'es Bah ouais, dit, je oh, suis allez, allé un moi, peu je plus loin, traverse ouais. l'Atlantique, je vais trouver du boulot ailleurs. Excellent. Et alors, ta vie aux États-Unis, qu'est-ce que t'en penses? Tu kiffes? La France te manque? C'est comment? Vas-y, raconte-nous. Bah écoute, la vie est super sympa. Après, ça va à 100 à l'heure. Hein. Ouais. On bosse tout le temps, on parle de boulot tout le temps. Mais la France me manque complètement, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est toujours ah Ça, c'est super. bien, ça. Hein. Ça, c'est très, très bien aussi. Hein. Ouh. Mais c'est Excellent. toujours bien de vivre à l'étranger. Mais oui, c'est incroyable comme expérience. C'est clair. C'est Après, je te dis pas clair. que je passerai ma vie là, hein, mais. Ouais. T'as un job, t'as des amis, mais malgré tout, tu te sens pas chez toi, tu te vois pas vraiment t'installer et faire ta vie là? Bah ouais, mais toi, tu parlais de la nourriture européenne tout à l'heure. C'est Ouais, ça ça aussi, hein. c'est. C'est le confort de vie européen n'est pas le même, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, non, je veux tout à fait Donc. comprendre. Hein. C'est clair que. Ouais, franchement. Je te dis, hein, c'est vraiment peut-être le seul truc que vraiment je peux reprocher aux États-Unis, c'est que la bouffe, c'est horrible. C'est terrible, quoi. C'est vraiment dur. Aïe, aïe, aïe. Après, il y a des endroits, je pense. Peut-être.
Je sais pas, j'étais allé en Californie, j'avais trouvé que c'était un peu moins pire que New York typiquement, mais Bah, après New York, Boston, tout dans le New England, là, c'est pas incroyable. Ils n'ont pas une culture culinaire, à part le homard, ils n'ont pas une culture culinaire incroyable, quoi. Mais après, je pense que tu vas dans des endroits comme la Louisiane ou ou d'autres exactement, endroits, ils ont des trucs super, quoi. exactement, bah tout à fait. J'avais pas du tout eu la même sensation, bah ouais, du côté de Miami, parce que tu vois, t'as toutes les influences des cuisines, bah un petit peu des Caraïbes, tout ça. Et aussi, côté Californie, t'as l'influence mexicaine, de la cuisine mexicaine. Et là, ouais, là, tu vois qu'il y a une vraie culture de la cuisine, il y a une identité, c'est vraiment sympa. Mais effectivement, ouais, je suis tout à fait d'accord. Boston, New York, et ouais, toute la, enfin, entre guillemets, la Nouvelle-Angleterre, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Bah, faut aller dans les restaurants français. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ah là là. Bon, c'est cool, c'est cool. Alors, Boston. Très bien. Très bien, très bien. Hop ça. Et alors, tu suis un petit peu, je sais pas, tu suis l'actualité aux États-Unis. Tu t'es intégré. Tu suis, je sais pas, le sport, le basket, le Ouais. baseball. Du coup, vu qu'on est à Boston, on supporte les Celtics pour le basket. Bah ouais, c'est ça. Donc ça, c'est top. On peut aller voir les matchs hyper régulièrement et c'est génial. C'est complètement différent de chez nous, pour le coup. Bah ouais. Oh, encore, il y a de l'Amélia. Ça tombe, hein. Bah, c'est bien, je vais pouvoir aller sur Ah la vache. suite. Mais Excellent. non, bah, après, il y a le baseball aussi, pour les Red Sox. Ouais. Mais c'est un peu plus chiant à regarder. Deuxième nat 5 de cette semaine et c'est sec, mate. On est pas mal là. On est pas mal. Niveau stats, on est pas mal. Bon, Sekhmet, ça reste un peu. Ouais, un peu RNG comme monstre. C'est pas mauvais, mais bon. Ok. Bon, pas mal, pas mal. Très Mais elle est bien. là. Deuxième nat 5. Deuxième nat 5 déjà. Mais ouais, le baseball, c'est terrible à regarder. C'est long, mais c'est long. Il se passe rien. C'est lent. Oh, c'est terrible. On va se faire des Terrible. ennemis avec les fans de baseball. Ah ben non, non, mais attends, après, ça ne reste que mon avis à moi, hein, avec toute l'humilité que j'ai. C'est mon goût à moi. Ah, regardez, c'est long, c'est insupportable. Mais, enfin, voilà, quoi. Moi, bon, déjà, je regarde pas des masses de sport, mais quand je regarde un sport, bah, c'est clair que tu préfères quand il y a de l'action, quoi. Ah, le baseball, Complètement. c'est si long. Oh là là. Hop. Et tu peux rester 3-4 heures dans le stade facilement des fois, hein. Ah ouais, c'est clair, hein. Oh! Fou! Donc toi, t'es plutôt basket. Là, ça bouge. Ouais, au niveau du Là. spectacle, ça n'a Ah rien à voir. là, non, c'est clair, c'est clair. Football américain un peu ou pas du tout? Je suis jamais allé voir ça encore. Ok. Parce que là aussi, niveau action, c'est. Ouais, il paraît. Ah, ça bouge pas mal, c'est clair. C'est clair. Non, il y a aussi le hockey. Le hockey, c'est sympa. C'est un peu le même Oui, le style que le hockey, c'est basket en vrai. termes Ah, d'ambiance. puis en plus, ouais, t'es dans une région où le hockey, c'est vachement présent aussi. Alors, c'est clair. Oups. Bon, moi, bah, nice alors. Très bien. Du coup, tu conduis un pick-up. pas moi, tous mes voisins le font, mais non, mais les caisses sont tous 10 fois plus grosses que chez nous. Ça, c'est Ouais, incroyable. c'est clair. Bah, après, les routes sont 10 fois plus grosses que les nôtres aussi. Encore du kaki, let's go. Parfait. Non, même Ouais. la voiture de base ici, c'est, je sais pas. Puis alors après, on est à Boston, je suis en plein cœur de la ville, alors ils ont peut-être plus d'argent les gens, mais Ouais. t'as des voitures de fou, tous les coins de rue, ça a aucun sens. Là Que nous, là. on est habitués à nos Peugeot et tout, et ben là, ils Ouais, sont au habitués à ça. 3008, ah non, c'est là, Ouais, c'est ça. on est pas sur du Peugeot. On est sur du gros Ford. C'est quoi, c'est le F-150 là, le pick-up là, le plus vendu aux États-Unis il y a quelques années. Je me souviens avoir vu cette stat Ouais, un là. truc comme ça. C'est what the fuck, c'est ça, c'est genre la Ce qui est voiture la marrant, plus c'est. vendue aux États-Unis, mais c'est énorme. Ouais, puis tu vois des gamins qui ont 18 ans qui conduisent ça comme leur première voiture, quoi. Ouais. Ah là là, incroyable. Hop. T'en as profité pour visiter un peu. J'espère, Ouais, un j'imagine. petit peu. Bah, 4 ans que t'es là-bas, hein, surtout c'est ça. le. Hein. Bah, 4 ans, il y a eu le Covid dedans, donc on va enlever, en cumulé, on va dire un peu plus de 3 ans, quoi. D'accord. Ok. Mais ouais, j'ai eu le temps de visiter pas mal, je me suis pas mal baladé dans le coin où je suis, en fait, ce qui est New York, Washington, tous les États qui sont autour du Massachusetts. Bah ouais. Mais je suis pas encore allé sur la côte ouest.
J'ai pas Ouais, encore bah, fait c'est loin ces trucs-là. aussi, on se rend pas compte. C'est comme si, je sais pas, tous les Français n'ont probablement pas visité la Norvège. Tu vois, c'est un petit peu la Ouais, même chose en mais termes je de crois que distance. c'est pire que ça, parce que je crois qu'il y a autant de temps pour moi pour aller sur la côte ouest que de revenir en Europe. Ou un peu moins de temps, mais Ah c'est ouais? quasi égal, je Non! crois. Sérieux? Mais je C'est crois que si tu long que prends la. ça? Je me rends pas compte. Bah, pour rentrer en France, c'est Non! 6-7 heures d'avion, et je crois que la côte ouest, pour moi, c'est 5 heures, un truc comme ça. Ah ouais? Ok. Ok. Mais c'est vraiment long, c'est vraiment loin, c'est Ah bah vraiment un ouais, grand pays. c'est clair que c'est vraiment loin. Ah ouais. Bon, mais déjà, ne serait-ce que la côte est, t'as pas mal de choses à faire. Ouais. Et puis, même sans aller si loin, tu vois, même la moitié, tu vois, tu vas te faire peut-être tout ce qui est un peu, je sais pas si t'es nature, mais genre Montana, tous ces trucs-là. Sinon, dans le sud, bah évidemment, la Floride. La Floride, c'est vraiment sympa, j'avais beaucoup aimé. Ouais, t'étais allé où? Bon, Miami. Miami. Miami, Non, t'avais pas Orlando, fait le le. classique, hein, tu vois. T'avais pas fait le Disney World de Si, si. Miami, là? Enfin, Si, 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 de. si. Ouais. À Orlando, ouais, bien Ah, sûr, bien sûr. Ah ouais, mais de toute façon, la première fois que tu viens en Floride, quand t'es un touriste, tu fais deux trucs, hein. Tu fais Miami, parce que bah, Miami, évidemment, hein, c'est Miami Beach, c'est voilà, on a envie de voir. Et puis d'ailleurs, c'est très joli, c'est très sympathique, on avait beaucoup aimé. C'est une influence, hein, très latino. Et ça parle beaucoup espagnol, c'est vraiment très sympa. Et puis Orlando, parce que bah, tous les parcs d'attractions, évidemment. Et là, tu te fais les deux parcs Universal, tu te fais les trois, quatre parcs Disney. Là, t'as de quoi passer une semaine à faire que ça aussi. C'est autre chose. Mais ouais. Pour nous, tu vois, qui venons de Suisse, c'est un petit pays et tout. Ça nous fait reprendre un petit peu contact avec la réalité, tu vois, d'un pays gigantesque à chaque fois qu'on y est. Mais oh, putain, le monde partout qu'il y a, c'est incroyable ce pays. Ah, c'est ouais, mais fou. on se rend vraiment pas compte à quel point c'est grand, je crois. Ouais, exactement. Et c'est ça, nous, c'est vraiment quand on arrive dans ce genre d'endroit-là, enfin, tout est démesuré. En Suisse, tu sais, c'est un tout petit pays, on a une vie très calme. Voilà, je veux dire, waouh, quand il y a beaucoup de monde, bah, tu vas mettre 15 minutes pour sortir de la ville avec ta voiture. Non, mais aux États-Unis, tu peux littéralement mettre 45 minutes pour aller d'un point A à un point B en une journée normale, Ouais, quoi. mais Et j'imagine tout que les est. distances avec la Suisse, Ah ouais, non, ça n'a je rien à compare pas voir. la Les même chose. distances, ça n'a rien à voir. Le monde et tout, c'est fou, c'est fou, ouais, c'est clair. En Suisse, tu dois te dire, ouais, 45 minutes de route, tu dois te dire, putain, c'est loin. Ah, mais 45 Alors minutes de qu'ici, route, c'est. enfin, je traverse quasiment littéralement le pays, quoi. Je sors du pays. Je fais 45 minutes de Ouais. route en direction de la France. Bah voilà, je veux dire, là, en 20 minutes, d'ailleurs, j'ai traversé la frontière. Non, c'est clair. Aïe. Bon, très bien. Mais pour le moment, ça, c'est pas à l'ordre du jour. T'as pas l'air d'avoir envie de rentrer, non? Si, si, là Ah, si! j'ai mon visa qui se termine, justement, je crois, Ah! dans moins d'un an. Et D'accord. Et donc du coup, t'as pas le choix. Il faut que tu dégages. ouais, il faut que je dégage, mais parce que aussi j'ai décidé de pas refaire des visas derrière, j'aurais très bien pu rester plus longtemps. Ah, super. Purée. Là, on est bien. Hein. Talia, Sabrina, Shaina. On est très très bien niveau 4 nattes. Kaki. Ok, quatre nattes, on est bien. 4 nattes, Cinq on nattes, est ils sont plus très timides très là. bien. Ouais, 5 nattes, ils en manquent un là. 5 nattes, ils nous en manquent un. Mais 4 nattes, on est archi bien. Allez, les 5 nattes là. Ils sont timides, c'est Bon, un des fois, compte faut les vierge. réclamer un peu. C'est un compte vierge. Ils sont tout timides. Venez, n'ayez pas peur. Vous serez les premiers. On va vous chouchouter, vous allez voir. Là là. Les Américains apprécient le vin français? Ouais, ils ont complètement. Ça fait très quand tu vas manger. Ah! Ah, trop bien. Ok. Ça valait la peine de l'attendre un petit peu, celle-là. Bon, ça Ça va, rattrape ça deux, ça. va. Vanessa, Sekhmet et Savannah, les trois premiers Nat 5 sur ce compte. Ça commence pas mal. Ça commence très très bien. Super. Tout petit poil. Voilà, tout petit poil de retard sur les 5 nattes, mais regarde, c'est instantanément rattrapé. Princesse Pudding O. Oh.
Ok, pourquoi pas Je sais pas du tout ce que ça fait donc. En vrai, bah, buff attaque, buff vitesse avec une Savannah, en soi, je trouve pas ça déconnant, pourquoi pas? C'est pas forcément le 5 nat le plus utilisé, hein, mais en vrai, quand on joue avec ce qu'on a, eh ben, je trouve que le combo avec Savannah est pas si mauvais que ça. Ok, Tu bah mets le voilà, ça petit y lead est. speed de Vanessa. Quatrième nat 5 de cette summon. Let's go, on continue. On continue. Oh! Et ben Bah tu vois! Et ça y est, c'est ça. On a enclenché la machine. Maintenant, on peut plus faire une multi sans qu'il y ait un nat 5. Et là, c'est Odin. voilà. Nickel. Encore une fois, on tape très très fort. Très 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 bon 5 nat. Et c'est déjà le cinquième nat 5 de cette summon. On était en retard. On a fait 3 multis et maintenant on est en avance. T'avais vu C'est ça? parfait. Incroyable ce retournement de situation. C'est un truc de fou. Incroyable. Excellent. Hop. Ouais, parce que mine de rien. Oh. Et ben voilà. Mais c'est ouf. On peut plus parler en fait. On peut plus discuter dans cette summon. C'est impossible. Genre, on ne peut plus faire une multi sans qu'il y en ait 5. C'est quoi ce. Bon bah sixième nat 5 du coup, Christina, allez, bah voilà, bah 6 nat 5. C'est parfait. Ok. C'est bon, on peut parler ou on va encore être interrompu? Non, c'est bon. Incroyable. Ouais, parce que les États-Unis sont producteurs de vin. Et du coup, Ouais, bah c'est un très gros producteur de vin, mais. très gros producteurs de vin, c'est clair. Donc c'est intéressant qu'ils apprécient, qu'ils aiment et qu'ils importent encore du vin français, c'est cool. C'est Bah, cool. les vins français comme les vins italiens, ils ont la réputation avec eux. Eh ouais, Ils ont la réputation des grands vins et. l'expérience, bah oui, c'est sûr, tu m'étonnes. On a la chance en France d'avoir des classements sur les vins, etc., et qui nous donnent un rayonnement mondial sur ça, quoi. Et Et sur la sinon, gastronomie en général. t'as pas croisé quelques vins suisses? Ici, alors des vins qui viennent des Alpes, oui, de Suisse, j'en ai pas encore vu, je crois Non, pas ici. une petite Arvine, non, non, un petit fendant. Ben, Ah, en fait, la Suisse, tu sais, c'est un gros producteur de vin. Enfin, c'est un gros. ben, Toujours, hein. en France j'en avais, mais Ouais? ici, en fait, à l'importation, je pense que les Américains ils vont rester un peu plus basiques. Alors peut-être qu'ils en importent, hein, mais en tout cas, moi j'en ai pas encore vu. Non, J'en ai pas mais. encore vu. C'était des producteurs de vin, mais il y a genre quoi encore, je sais pas, je dirais 15 ans, c'était surtout du vin un peu de table, tu vois, c'était pas. Mais petit à petit, ça commence à sortir des trucs pas inintéressants. Donc, ben voilà, ça commence à venir doucement, mais ça commence à venir. Il y a juste un peu moins d'espace pour cultiver, c'est tout. Ouais, mais en vrai, on a des endroits, des régions qui sont vraiment. Bah, typiquement, là, on a ce qu'on appelle le Lavaux. C'est une région qui, bah, voilà, de coteaux exposés vraiment en plein sud, au bord du lac. Bon, d'ailleurs, c'est inscrit hein, au patrimoine de l'UNESCO, le Lavaux, parce que bah, tu as ces plantations comme ça, tu sais, en terrasse. OK. Sur le lac en plus, bon bah voilà, c'est une région qui est très très jolie et puis bah productrice de vin. Mais bon bah pareil, hein, ouais c'est pas le tout de cultiver du raisin, hein, c'est ensuite ce qu'on en fait et ça viendra, ça vient doucement. Et tu sais ce qu'ils cultivent ou pas dans le Lavaux? En vrai, Comme non. variété? Non, 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 Ok. je m'y Bah je... connais un petit peu mais pas assez vraiment, les cépages, tout ça, c'est pas encore. Non, je sais pas du Je tout. regarderai. Je regarderai, je t'enverrai un message après, je te dirai, bon bah Allez. voilà. Oh là là. Et puis après, en Valais aussi. Le Valais aussi, c'est aussi un gros producteur de vin. Le Valais, si tu veux, c'est un peu la. Ils ont une situation géographique assez particulière qui fait qu'il fait toujours bon. Tu vois, c'est la région en Suisse où il fait toujours bon. Il y a toujours du soleil, il fait toujours chaud. Il y a pareil, comme il y a des montagnes, il y a des coteaux. C'est là où sont produits un petit peu tous les produits maraîchers, tous les fruits, les légumes, tout vient un petit peu du Valais chez nous. Dès qu'il y a besoin d'un petit peu de soleil, ça vient de là-bas. Et Ouais. eux aussi, bah, évidemment, produisent du vin, du moins bon, comme des petits trucs aussi
aussi sympa, ouais. C'est pas inintéressant, c'est pas inintéressant. Ok. Ben bon, ça va. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu vends le plus comme vent français aux États-Unis? Ah Qu'est-ce ben qu'ils aiment? c'est après c'est très direct, hein. C'est Bordeaux. C'est du Bordeaux. Ouais. Ah, c'est fou. Alors que le Bourgogne Mais est tellement meilleur. ah bah là tu vas se faire des ennemis toi. non non C'était un mais peu fait exprès. c'est C'était un peu. bah oui non mais C'était t'as pour raison taquiner. faut les provoquer un peu les Ah bah Bordelais, c'est leur écoute. famille. Non mais c'est tout simplement une question historique, une question de variété de raisin aussi. Ouais. Ils sont Est-ce que c'est pas très un petit peu aussi ça, j'ai envie de dire, le commerce du vin? Est-ce que tu vends pas aussi une image, tu vois? Est-ce que tu vends Bah, pas un peu la hype, tu vois? complètement, surtout à l'étranger en fait. Tu Bah vends ouais. déjà tu vends quelque chose de français, et ensuite tu vends un nom. Et Mais ouais. de plus en plus quand même on vend ce qu'on aime quoi. Donc Ouais. c'est aussi à nous en tant que spécialiste Ah de vendre ce qu'on a ouais, envie de vendre. c'est ça, t'as Ah aussi ouais. une forte responsabilité de ce que tu vends parce que c'est... Ouais, tu vas présenter ce que toi tu as aimé. Ok, c'est intéressant ça. Du coup, t'as une influence assez importante finalement dans dans ce qui va finalement être présenté et donc vendu. C'est intéressant. Ouais, on vend à peu près ce qu'on a envie de vendre, hein, pour être tout à fait Ouais, honnête. bien Si on sûr. fait pas des, si on fait pas de vraiment d'efforts sur la vente, et ben on va vendre ce qui se vend tout seul. Mais si on est un peu plus curieux et qu'on pose les bonnes questions, on va vendre vraiment ce qu'on veut vendre. Ouais. Moi, je On peut vois pas d'alcool. orienter le choix. Moi, je vois pas d'alcool. On a tous Et des défauts personne n'est parfait. Pardon. Non, maintenant. c'est vrai, je bois vraiment pas d'alcool. J'en ai jamais bu et j'en bois pas. Mais D'accord. je goûte les vins pour bah, C'est bien. pour ma culture. Tu vois, je suis passionné de cuisine. J'adore la cuisine. Et on peut pas évidemment passer à côté du vin. C'est assez compliqué quand on aime la cuisine. Et du coup, je goûte les vins. Et c'est vrai que c'est un C'est quelque chose d'intéressant, j'en boirai jamais un verre entier, mais goûter les vins, je trouve ça hyper intéressant. Les champagnes, c'est pareil, les prosecco, tout ça, c'est assez passionnant. Je trouve que c'est vraiment un monde hyper intéressant. Et puis des fois, bah, je tombe hein, sur des trucs que j'aime bien, et ouais, c'est surprenant, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire en disant je vends ce que j'aime, tu vois. Parce qu'il y en a tellement, il y a tellement d'assemblages différents, de goûts, ouais. Le vin, c'est fou quoi, c'est tellement riche comme Ah, c'est produit. un monde à part entière et Ah, c'est c'est trop incroyable. intéressant. Mais c'est bien déjà que tu fasses l'effort de goûter du vin même si tu bois pas d'alcool, Ah c'est oui, super. bien sûr, bah, enfin, c'est difficile, tu vois, d'aimer la cuisine et de ne pas boire de vin, hein, tu vois. Tu peux pas dire, genre, je me coupe d'une partie. Du monde de la cuisine, de la gastronomie. J'aime pas ça, hein, j'aime pas. En fait, je suis assez sensible au goût de l'éthanol. Tu vois, il y a des goûts comme ça qu'on sent plus ou moins fort. Et moi, bah, l'éthanol, donc l'alcool, bah, je le ressens vraiment très, 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 très fort dans les alcools que je bois. Et alors, à part les trucs un peu très sucrés, tu vois, genre là, bon, ça sera. Mais dans le vin, ouais, ça se sent et j'aime pas trop, mais par contre, ça n'empêche pas de pouvoir apprécier les goûts, le sucré, le plus sec, ouais, je sais pas, les goûts de fruits, de cuir qu'on peut retrouver dans le vin, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper vaste. On fait beaucoup de dégustations ici, et puis même pour s'entraîner, Ah ouais? on déguste entre sommeliers et tout, et on se rend compte qu'on aime bien se surprendre aussi, amener des choses qu'on ne connaît pas. Toi, t'as une formation de sommelier? Bah, j'ai plein de casquettes, mais Ah ouais, oui. depuis que je suis aux États-Unis, je me suis formé à être sommelier aux États-Unis. Parce qu'en D'accord. France, je bossais en cave à vin. D'accord. Où on faisait un peu de sommellerie, mais plus en dilettante qu'autre chose. Ok. Et là, aux États-Unis, j'ai passé mon diplôme de sommelier ici, et donc je goûte beaucoup et je goûte le vin en anglais aussi. Donc ça donne la dégustation encore différente. Ah, tu goûtes le vin en anglais, comment ça? Bah, du coup, on fait la description, ce qu'on Ah ressent oui, avec d'accord, mais en des mots anglais. anglais. D'accord, ok, qui sont pas forcément les mêmes adjectifs que qu'en français. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Exactement.
Ok. Oh, j'ai appris un truc. Bon, il n'y a pas longtemps, si, ça fait un petit moment quand même, mais ça, par contre, ça m'a toujours fait rire. C'est que je savais pas, c'est qu'ils produisent du vin en Angleterre. Ça me fait toujours délirer. Mais ils ont tellement peu de soleil qu'en fait, ils ne font que des vendanges tardives. Ben ouais, ils commencent en plus de, surtout dans le sud de l'Angleterre avec le réchauffement climatique, ça va venir, hein. Mais quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça trop drôle. Je me suis dit, mais non, mais ils sont tellement malins en fait. Ben Ils ne font que des vendanges tardives. Et donc, du coup, bah, comme ça, ils ont un raisin qui a quand même suffisamment maturé pour avoir assez de sucre pour pouvoir produire du vin. Je trouvais ça trop drôle. Habituellement, quand on fait une vendange tardive, voilà, moi ça me fait rire, mais j'explique pourquoi c'est drôle. Quand on fait une vendange tardive, on va laisser mûrir le raisin plus longtemps. Et donc, bah, il y aura plus de sucre et ça va donner un vin souvent plus liquoreux. Et eux, pour faire un vin normal, donc un vin pas liquoreux, bah, ils sont obligés de pousser la maturation du raisin bah, plus longtemps, hein, comme si on faisait une vendange tardive, mais eux, pour faire du vin normal, entre guillemets, je trouve ça trop drôle. C'est excellent. Je trouve ça trop Et c'est parce marrant. qu'ils sont jaloux. Ouais, c'est ça. Ah, et puis il y a des vins super intéressants aussi. Il y a un vin que, alors, j'adore, mais dans la cuisine, c'est le vin jaune. Je sais pas si tu connais, c'est un vin du Jura. Incroyable le vin jaune. C'est incroyable le vin jaune, hein. En cuisine, le vin jaune, c'est un ingrédient. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça a ce côté un peu sucré, mais aussi très acide. Et ça vient te fouetter les papilles là, genre oh là là, ça va tellement bien avec tout ce qui est poisson, tout ce qui est crustacé. Oh là 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 là. Il y en a Est-ce que tu l'as tu cuisinais avec des champignons, le vin Mais jaune? bien sûr, Ouais. évidemment, évidemment. Tu sais, on peut faire ça un petit peu presque la même chose avec du Porto, mais je préfère vraiment Ouais. le vin jaune, ça c'est incroyable. C'est Georges Blanc qui utilise beaucoup le vin jaune dans sa cuisine, bah, il est un petit peu de la région, hein. Venasse, c'est pas très loin du Jura. Et lui, il fait du poulet au vin jaune, il fait du homard au vin jaune. Oh là là, Ouais, c'est c'est trop bon. incroyable, c'est tellement bon. Ah, c'est passionnant le vin. T'es vraiment passionné de cuisine alors. Ah ouais, C'est bien cool. sûr. Clairement, et puis, bah, ouais, évidemment, bah, le vin et les alcools, c'est pas forcément mon délire, mais faut pas, enfin, pas le choix de s'y intéresser un petit peu quand t'aimes la cuisine, quoi. Disons, on a eu un petit passage à vide là, et putain de 5. Hein? Ouais, un gros passage à vide, mais. Oh là. On est à combien là dans cette histoire? On est à 6, 5, 6, 6? 5, je crois. 5. Attends, attends, attends. Il y a eu Non. Vanessa, Sekhmet, Savannah, Pudding haut Pudding, Christina. Ah et ouais, on est à 5. On est revenu en retard. Mais non. ouais On est en retard. non On si est si passé en avance et là, on revient en retard. Aïe, aïe, aïe. Il se passe tellement de choses. C'est l'ascenseur émotionnel cette semaine. ouais c'est clair. Je Oh sais plus là s'il y a un là. event dans les 9 ans pour l'ouverture de Vélan, je sais plus du tout au fait de ça vu que j'ai jamais invoqué. Il y avait l'event des coffres. Ah mais Oh, c'est fini ça non? bah ouais. Mais bah voilà. Hop. Ah! Ben voilà. Ok, sixième. Tu vois, il suffit de se plaindre des fois. Des fois, c'est simple. Hein. Des fois, il suffit de se plaindre. Sixième, Nat 5. Ok, Alicia. Bon, d'accord. Pourquoi pas pour du cleave en arène? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. Il leur faudrait un petit là et puis ce serait parfait. Ouais, on avait dit 8, hein. On avait dit 8 sur les vélins mystiques et élémentaires, hein. Donc, on est à 6. Ok. On y est presque, on y est presque. Encore un petit effort. Encore un petit effort, le jeu. Vas-y. Bon, pas là. Par contre, en étincelle, on est bien, hein. Ouais, Franchement. ouais, 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 ouais. On a eu Je vais pas me plaindre sur ça. Talia, Sabrina, Kaki. Ah, on est pas mal du tout. On n'a pas eu Galion. En vrai, Galion, ça serait vraiment bien aussi de choper un Bah, je les Galion. ai. Je crois S'ils avoir sont vu pas dans passer les. Julie. Ouais. Non, Je non, ouais. regarderai quand Galion Ouais, sera dans les pierres. ouais. Pour le moment, vraiment, belle semaine niveau 4 nat. Intéressante semaine niveau 5 nat. On est presque à notre objectif. Faut pas perdre la main, mais ouais. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va.
Allez, allez. Encore un petit effort, là. Ouais. Beaucoup de Miyang, mais pas de Chazune. Non, c'est vrai, c'est vrai. On a eu Wai, on a eu Miyang, on a pas eu Chazune. Ok, bon. Tiens, on va aller chercher Chazune. Let's go, Chazune. T'avais pris plein de vélins Chercher devant. Léo aussi. Ah, bah oui. Ouais. Oh! Léo, Bon, ça, Sierra. je pense qu'on a déjà dû en avoir, mais je ne l'avais pas vu passer. Skogul, c'est un 3 dates, mais c'est très c'est un kata très intéressant aussi. Hein. Qu'on peut Ok. skill up avec des 3 nattes, c'est très, 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 très fort. Vraiment. C'est plus pour l'arène ou c'est... Je le connais pas. Paf! Bref. Il y a des gens qui l'utilisent en def arène, mais un peu plus pour le siège quand même. Ok. Ah bah tiens, encore. Très bien. Hop. Allez, allez, allez là. Il nous faut du nat 5 là. Hein. Sortez-nous du nat 5 un petit peu. Ah, ils veulent pas, Un ils petit sont effort débiles. là. Un petit effort là. Alors. Allez là. Est-ce que tu connais le Tariqué? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ce que t'aimes bien? En fait, c'est un vin qu'on a découvert avec ma femme. On a fait la fête un petit peu de notre mariage dans le sud de la France, près de Alès, Suzès, par là, dans une maison d'hôte. Et on avait découvert justement ce vin à cette occasion, le Tariqué. Et du coup, on avait servi ça à notre mariage. C'est très, très, très sympa. Ah! Ça peut être un peu trop facile à boire des fois. T'as raison, c'est dangereux. Un peu trop facile à boire, d'accord. Allez, en Bon, feu là. pas de Léo sur les vélins avant. Non, pas de Léo sur les vélins avant, c'est moche. Oh, allez là, les 5 nattes. Mon Kumun, c'est très très bien, mais on a déjà eu, je crois. Kumun, c'est excellent aussi, hein, vraiment très très bon. Aïe aïe aïe, me dites pas qu'on va finir en retard sur les 5 étoiles, ça serait dommage. Après avoir enchaîné les multis avec des nattes 5, on va Il arriver a à trop finir en donné d'un coup. retard. Oh, il a tout donné. C'est usé. Il a tout donné, il a rien gardé, résultat. Ah là 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 là. Allez là. Ok, Maruna, très bien. Par contre, on aurait eu beaucoup de jumelles. Hein. Talia, Sabrina, Shaina, Maruna. T'es très très bien. Je crois qu'on a même eu une boomerang vent aussi. Vraiment. Niveau 4 nattes. Allez, là il nous faut Galion. Là il nous faut Galion. Un petit 5 nattes. Pour pas qu'on soit trop en retard quand même. Parce que là, il nous en manque 2, hein, mine de rien. Whip. Et notre objectif c'est 12. Pour le moment, on est à 6. Hein. On a fait que la moitié du chemin. Hein. Il va falloir balancer sur les Dark Knight, Aïe aïe aïe, hein, c'est hein. clair. Allez là. Non, pas du tout. Malaka, ok. Il y a le 5 nattes des 9 ans aussi à prendre. Ouais? T'as déjà ouvert un petit peu les cases du coup? Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et alors, il y a quoi dedans d'intéressant? Bah, il y avait Savannah. D'accord. Il me semble qu'il y a Rika dedans. Ok, Et sympathique. je comptais, pour être honnête, je comptais demander ton avis en Ouais. disant, bah, Bon, on va il la saura bien quoi regarder. choisir. Bah, en vrai, Rika, ça reste toujours un bon choix. Hein. Très sympathique. Hein. Très, très sympathique. Ok, Julie, très bien. Un peu Ah, mais si, Galion. il y a le peintre vent, je crois, dedans. Ouh, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Qui est peut-être mieux. Ok. Ah ouais, Champong, c'est assez ouf. Hein. Bon! Bilan de cette summon, on a fait 1600 vélins mystiques et élémentaires. On n'est qu'à 6 nat 5, donc on est un tout petit poil en retard. C'est compensé par le fait qu'on a eu beaucoup de 4 nats. Et ça, c'est vraiment cool. Hein. Il y a du Skogul, Talia, Sabrina, Shaina. Il y a eu du Kmoun, il y a de la Julie. Il nous manque peut-être juste un petit Galion pour être vraiment bien. Et puis quand même un petit peu de nat 5, parce qu'on s'était placé un objectif à 12. On n'est qu'à 6. Va falloir quand même essayer de... Hein? Voilà. Je Quand suis même. d'accord. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Va falloir améliorer un petit peu ce score.
Ok, allez. Peut-être sur les vélins légendaires. Qui sait? Du sniper. En veux-tu, en voilà. Ok, la piste, très bien. Foucault, c'est non. Encore de la... Oh là là, bah... De la jumelle, il y en a en tout cas. C'est très bien, ça. Y a pas de problème, il y en a de la jumelle. Oh, Ralsweg. Très très bon catnat aussi, ce roi barbarvent. Très 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 fort. Ok. Allô, les nat 5. Ah là 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 là, les nat 5. Qu'est-ce qu'ils sont bien, les vélins légendaires. Oh là 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 là, s'il vous plaît, on comptait sur vous pour rattraper le retard, là. Non mais, c'est très bien, les Onimusha, très bon 4 nat, parfait. Ça, c'est du skill up, Christina, on est content. Oh, là, sérieusement, vous êtes sérieux. Oh là 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 là. Ok, 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 on est en train de perdre le contrôle de cette summon. Ok. Bon. Ouais, ouais, pas ouf, les vins légendaires. Alors, carrément pas ouf, là. Là, on a vraiment perdu le contrôle de la summon. Clairement, moi, je comptais vraiment sur ces légendaires pour rattraper le retard qu'on avait accumulé. C'est chaud. C'est très, 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 très chaud, ce qui est en train de se passer. Petit tout attribut qui va peut-être nous sauver. Pas du tout. Ah bah, mais c'est un petit Duchesne. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Ah ouais, c'est chaud quand même, ce qu'est en train de... Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose, là? Je ne sais pas. Non. Bon, et quoi qu'on ait ici, de toute façon, moi, je suis content. Hein. Je ne les avais pas. Alors, dans ce cas-là, il nous faudrait nous en proposer des nouveaux. Ok, ok, voilà. Ok, ça y est, enfin. Septième nat 5, on arrive un peu à avancer. 7 Christine avant, d'accord. Ouais, ok, ok, ça continue. Back to back de nat 5. On passe de 7 à 8 nat 5. Très bien, merci les vélins Assassin's Creed. On continue. Ok, c'est le où? Oh, j'ai eu peur. Oui, il ressemble assez au light, c'est vrai. Non. Ok. On est toujours à 8. On est à 9 maintenant avec ce Ezio Feu. Ouh là 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 là. Merci les vélins Assassin's Creed hein, qui carry cette summon bien plus que les légendaires. Hein. Incroyable. Waouh. Incroyable. Ouh là 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 là, ok, allez, un petit dernier, un petit dernier, non, ok, bon, belle summon hein, quand même, bah, très, pas mal, là. Très belle summon, on était à 6 sur les vélins mystiques et élémentaires, et à la fin de les légendaires, on était toujours à 6, mais là, on est passé à 9, et ça c'est beau, ok, vélin dès 9 ans, let's go. On va peut-être choper le galon là-dessus. Eh, ça serait cool. Non. Bon, on pourrait prendre, à mon avis... Vas-y. De la pierrette. Très bon skill up. Il y a Clara, il y a Julie qui sont très bien. Oh, Triana qu'on n'avait pas. Let's go. Ouah, ça, c'est god tier. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oh, ça, ça fait plaisir. Mais ce qui est bien sur ce compte, c'est qu'on peut s'extasier devant des catenaces. Mais oui. C'est vrai. Ça, ça n'arrive pas dans les summons habituels. Ok, la tatou. Bon, n'importe. Voilà, ça fait du skill up peut-être pour Kumoon. Incroyable. On s'extasie devant des catenaces. J'avoue, c'est si rare. Skill up verdé, allez hop. Ok. Chloé. Bah, Chloé, tu l'as déjà, donc c'est du skill up assez c'est pas trop compliqué. Les snipers, ils sont sympas aussi. Il y a Covenant, il y a Carcano, évidemment. Ok. Eh, hey, un nouveau, ça c'est pour la box. Allez. Let's go. Allez, hop, hop, hop. Le galion. Où il est? Et le galion et puis le Nat 5, hein.
le Galion et le Nat 5. Il nous faut un Nat 5 sur ces vélins des 9 ans, parce qu'on est à 9 et il nous reste 2 transcendances. Donc si on veut effectivement atteindre notre objectif, qui était au-dessus des stats, hein, ouais, je sais pas, du skill-up, Lucien, hop, et ben il nous faut un Nat 5 obligatoire sur ces vélins des 9 ans. Ah, tu leur mets la pression, là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait du bien, un peu de pression de temps en temps, tu vois. Ouais, t'as raison. Alors, oh, bah très bien, ça. Du nouveau, ça complète la box, très bien. T'étais plus habitué à voir le petit seal, le new, avec des... Ouais, c'est clair. Tiens, regarde. Incroyable. Allez, il nous faut un 5 nat, là. Allez. Il nous faut un 5 nat. Oh, bah, super. Belle bleue, celle-là. Ok. Oh, bah tiens, Chazune. Oh. Ah. Alors, je pense qu'on va prendre Orion quand même. Entre Chazune et Orion, ouais, on va prendre Orion. Hein. Clairement. Merde. Ah. Oh là là. Eh, si on avait imaginé qu'on aurait ce genre de choix terrible à faire sur les 4 nades. Draconien. Oh, c'est terrible. Allez, du skin-up jumelle. Très bien. Allez, Galion, là. Et puis, il faut nous redonner Chazune, maintenant. Et un 5 nat, oui, aussi. Ils vont mettre Galion et Chazune en même temps, tu vois. Ah, ok. Bon, ça, c'est du skill-up, Christina. Mais est-ce que c'est vraiment pressé? Ralzeg, c'est très bien. Allez. Allez. Allez, un Galion, une Chazune et un 5 nat. Et on est content. Oh, bah, super. Oh là 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 là, la foule bleue encore. Ouais, ouais. C'est toujours bien la danseuse, la Rakshasa à feu ou pas? Bon, ouais, ça a pu vraiment de... Moi, je crois qu'il y en a une dont je me sers encore dans cette famille, mais c'est en solo BJ5. Mm. Mais ouais, effectivement... L'avant, un petit peu. Oh là là, on n'aura pas eu ni Galion, ni Chazune, ni notre Nat 5 là, tant attendu. Il n'est pas dans les pierres, Galion. Non, c'est bon. Je sais plus ce qu'il y a dans la rotation de pierre, là. Ah non, il n'y avait rien. Non plus. Je sais pas. Ouais, faudra attendre. Ok, bon. Un petit peu triste. Il nous manque un Nat 5 pour atteindre notre objectif. Et il nous aura manqué Galion aussi. Ha ! Allez, 10e Nat 5 sur ton compte. Et c'est Tiana. Ok, très très bien ça. Ça, c'est très très bien. Mais il nous faudrait Galion pour faire un speed cleave Galion, Tiana plus Nocker. J'ai le lead speed qu'il faut. Nickel. Allez, let's go. Et Daphnis, très bien, parfait. 11e Nat 5 de cette summon. 11e Nat 5 de cette summon. Très, très, très bien. Ok. On en aura 12 si tu prends celui de l'event. Oui, mais ça triche. C'est triché de prendre... C'est un peu triché. C'est triché. Hop. Voyons voir, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu avais, du coup, hein? Qu'est-ce que tu avais? Alors, Jamir, Changpong, d'accord. Rika. Ah, ouais. T'as une belle sélection. J'avoue que c'est pas si simple, mais... Ouais, je partirais quand même sur Changpong, hein. Rika, bah, c'est très fort. Mais Changpong, c'est fort et c'est tellement polyvalent, quoi. PvE, PvP... Bon, Rika aussi, d'ailleurs. Hein. C'est ça, en fait, qui fait que ces deux Nat 5, pour moi, ressortent peut-être un petit peu plus que les autres. Je mettrais Jamir pas très loin derrière. Mais pour moi, c'est vraiment Changpong, Rika, juste en dessous Jamir. Eh bien, allons-y pour Changpong. Et puis Changpong, on va aller taper la RTR. D'accord.
D'accord, carrément lui. Carrément. Hop. Ah oui, d'accord, il apparaît en dessous. Allez, go! Tu attends? Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est parce que lui ne peut pas directement aller dans l'hôtel de Selman. Alors du coup, hop, il faut qu'on... Bah, il va qu'on lui rester là. fasse de la place. Alors regarde, hop. Ah oui. Voilà. Ça n'existait pas aussi, ce bâtiment-là. Ah non, ça n'existait pas à l'époque, hein. Voilà. Incroyable. 12e net 5 de cette semaine. Un peu triché. Un petit peu triché quand même. Un peu tricheux. Mais bon, attends, il y a quelques vélins d'Arcane Light, hein. Peut-être moyen d'avoir une belle étincelle. Allez. Sur un malentendu. Ah, écoute. Ah, basalte. Très bien. Oh, bah regarde. Ok, première étincelle d'Arcane Light sur ton compte. Et c'est Louis. D'accord, ok. Incroyable. Ok, d'accord. Oh, back to back, attention. Ok, Dame Ténoire, très bien. Ok, dis donc, j'ai l'impression que t'as un compte plutôt pas mal pour les vélins d'Arcane Light. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'étincelles dès le début. Alors ? Ok. On retient notre souffle. Hein. Ah ! Troisième étincelle ! C'est énorme. Monté, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Alors que ça aurait pu être Molly, Kinky, Léa. Bon, il y a de l'étincelle en Valentis, tout cas. Ne nous plaignons. Ah oui, bah, d'accord. Alors toi, directement, quoi. Toi, t'es bien un Américain, toi. Ça se voit quand même. Hein. Ils ont des temps sur ouais. toi. Hein. Oh là là. Oh là là. Ok. Oh là, par contre, le nombre d'étincelles est scandaleux. Hein. Oh. Et ben voilà, 12e date 5 de cette semaine. On n'avait pas menti. On a atteint l'objectif et sans tricher cette fois-ci. 12e date 5 de cette semaine. Et il est Darken Light. Cadis. Ben voilà, incroyable. Écoute. Eh, franchement, incroyable, bon bah on a fait même pas, je sais pas, même pas 50 vélins sur ton compte, même pas 50 vélins d'Arcane Light, et c'est déjà le premier 5 nats d'Arcane Light qui tombe. Voilà, il a commencé le jeu, enfin, non, c'est pas qu'il a commencé le jeu, il a recommencé un nouveau compte, il y a 3 mois, pour s'amuser, en regardant l'une de mes vidéos en plus, je me sens un petit peu responsable, hein, du coup. Ah ouais, complètement. Et regarde ça. Non, mais. T'avais déjà des 5 nats d'Arcane Light ? Non, t'en as jamais. Non, jamais. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est cool. Quel savon ! Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Peut-être poser une question de nous, mais il est bien, il est bien le vampire d'Arc ou pas ? Pour toi, il sera bien. Pour toi, il sera très très bien. Mais disons qu'il n'est pas PVP, tu vois. Enfin, okay. Il n'est pas RTA. Ce qui fait que les pro gamers, tu vois, bah, c'est pas leur préféré, très clairement. Mais pour toi, okay. On va dire en early, mid-game, il va être très sympa. Ok, c'est cool. Incroyable. On l'a fait. 12 nat 5 dans cette summon, dont un 5 nat Darkened Light. Alors que tu n'avais jamais eu avant. Voilà, il a fallu que ça tombe sur ce petit compte, cette expérience. Je recommence un compte et je n'invoque rien pendant 3 mois. N'empêche que ça fait une grosse semaine, mine de rien. Hein. Ouais, c'est franchement, clair. Franchement, recommencer un compte, ne rien invoquer pendant 3 mois, ça fait quand même une semaine qui est plutôt conséquente. Or, on a eu de la chance parce qu'on a eu 0 doublon. Et il nous manque quand même... Il nous manque un petit galion. Il ne manque plus que galion, j'ai envie de dire, pour être vraiment très confortable niveau 4 net. Ça serait la seule déception parce que finalement, ouais. On est dans les stats là. Ah ouais, et puis en plus, on a eu un 5 net d'Arcane Knight, quoi. Et ça, ça vaut beaucoup.
Hop. Non, toi, t'en es pas un. Hein. Espèce de petit tricheur, là. Ça compte pas, ça. Non, ça compte pas. Le bilan de cette summon. L'expérience de Matt, les amis. Matt, il y a quelques mois, il voit une vidéo summon day et ça lui donne l'envie de se relancer, de relancer un nouveau compte summoner soir et de ne rien invoquer pendant 3 mois, de tout garder pour cette summon. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, mais on était déjà. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah oui, mais c'est avec les 22 ans. Mais 14 avec les 22 ans. Ah ouais. Donc en fait, on s'était fucked up dans nos comptes. Dans nos comptes depuis le début. Depuis le début, on y était. Incroyable. J'ai pas compris comment on a raté ça, mais ouais. Super, bah voilà. Du coup. Incroyable. Donc bah du coup, on a même explosé notre objectif. De 5 nats, hein. Et puis bah, des 5 nats, ma foi, plutôt de qualité. Hein. Bon, alors, Chongpong dans l'event, hein, évidemment, mais n'empêche qu'il y a Odin, il y a Savannah, il y a Vanessa, il y a du bon nat 5, du nat 5 PVP. C'est ça qui est important, hein, parce que finalement, c'est vrai qu'en PVE, on peut faire le PVE, et tu t'en as témoigné, hein, sans nat 5. Et on finit cette summon, les amis, plus qu'en beauté, avec ce 5 nat Dark and Light K10. GG, incroyable. Ben super, merci Vanna. Mais je t'en prie, quel summon. Mais quel summon, j'ai vraiment passé un excellent moment, ça m'a fait très 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 plaisir. Je suis très content hein, qu'on ait quand même réussi à trouver un créneau pour faire cette summon, parce que vraiment, elle valait le coup, elle est incroyable. J'ai beaucoup de plaisir. Waouh, GG, ça dit. Ben super. Bon, je vais te laisser du coup parce que bah, hey, pour toi, genre il est 7h du matin maintenant et que tu dois bientôt partir au travail. Merci beaucoup pour ce très très bon moment. Travaille bien et puis bah, bon retour en France du coup d'ici quelques mois. Et ouais, je te dis au revoir et à la prochaine fois. Merci à toi. Et ciao ciao. Salut.